quelqu'un, j'aime bien avoir le regard dans les yeux des gens quand on leur parle, tu vois. Et donc là, on est sur Frizia et Sabreur. Frizia qui est du coup une joueuse de Mars, si je ne me trompe pas. Ok, ok. Qui doit venir de, je sais plus quel pays, c'est nord de l'Europe, peut-être Suède ou Norvège, quelque chose comme ça, je suis plus sûr. Ok. Et le Sabreur qui est aussi un joueur de Mars, non? Ou Pikachu? Non, ce Sabreur c'est un joueur de Pikachu. Pikachu, ouais. Parisien. Oui. Mais je pense que Frizia doit être celle qui est indiquée pour gagner selon le seeding, mais on va voir. Hein, Pikachu, ça peut toujours surprendre. Ah bah, ouais. Hein. J'allais dire un truc sur les hot dogs. Ah oui, tu sais que en vrai, le ketchup dans le hot dog, c'est pas du tout... ça fait regarder par les joueurs comme si on devait faire quelque chose d'officiel, genre, alors que j'étais littéralement en train de parler d'hot dog. Oui. Le ketchup dans les hot dogs, c'est pas du tout conventionnel aux US. Genre, ils sont en mode, tu mets ça dans un hot dog, je te mets une baffe, quoi. Ouais. Ce qui est marrant. De la part des États-Unis. Le match commence, donc Frizia, joueuse de Mars vert, tandis que Sabreur, genre de Pikachu neutral. Ouais. Ok. Donc il est rapide, j'avoue. On voit offstage, mais on n'arrivera pas à avoir l'edge guard. Je suppose que Sabreur doit avoir de l'expérience dans le match-up. Hein. À Paris, il y en a des Marf. Hein. On a Nova, on a Turtles, I like Turtles. Oui. On a. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres moins connus, mais il y en a d'autres. Et, ok, on envoie en l'air et non, on se fait reverse. Est-ce qu'il va se prendre un petit drop smash? Mais non, il va sur la top plateforme par sécurité. C'était très bien vu. Tu es en train de me dire si c'est du seed 1, seed 2 ça? Je ne sais pas du tout. Frizia peut-être seed 1, mais je sais pas du tout. En tout cas, ça va être un beau match. C'est bien parti. C'est très bien parti. C'est trop marrant comment les joueurs de Marf, genre ils ont un match-up qui est pas ouf et ils pleurent tous. Oh mon dieu, qu'est-ce que je dois faire contre ce rat jaune? Oh mon dieu, j'ai un mythère que je vois une fois toutes les éclipses de lune. What am I supposed to do? Oh, ok. Bon. Tu t'es fait spike. Ça arrive. Ouais. Et là, du coup, savoir qu'il va essayer vachement de monoposer l'espace aérien avec ses uppers. Pour empêcher Frizia d'utiliser ses aérios et pour la juggle. Ah ouais. Le contre était un peu présomptueux. Oh, la dernière hitbox a touché. Est-ce qu'il va trouver... Non, il trouvera pas d'edge guard. Frizia qui aime beaucoup Rico par le haut. Oh, ouais. Très beau F-Smash. Ouais, un F-Smash magnifique. Et on grabe le ledge, ouais. C'est très bien joué. C'est ouf comment la Rico de Marf, parfois il te manque quelques pixels pour pouvoir survivre en fait. Genre. Parce qu'en gros... avec Marf, tant que tu arrives à avoir la Rico où tu peux être sur le bord contre Pikachu, tu peux te mettre juste un reverse neutral air en 21 ou un back air même pour te renvoyer, mais en général, tu as toujours l'opportunité de revenir avec le bon DI et tout ça. Quoi. C'est un edge guard qui peut durer longtemps si tu prends pas de paire. Il y en a, c'est bien tight. C'est bien serré. Beaucoup de down tilt. Ah, le grab pour Whiff Punish, la belle dash dance devant le shield, et là on juggle, on essaye d'empêcher le rat jaune de retomber au sol, mais non, on se fait reverse, up air, back air, nair, oh non, on aurait trouvé le up air, c'était fini. Ouais, belle présence d'esprit de la part de Frizia là, pas se faire avoir. Ah. La Frizia qui va du coup chercher un moyen de kill. Oh non! Ça s'est passé à pas grand chose, hein, le type. Ah, ça s'est passé à pas grand chose de mourir aussi. À quelques pourcents près. Bah là, en plus, si tu te fais toucher pendant le B, l'Arico est good. Et Frizia qui arrive très bien à sortir du ledge face à Pika en passant par les side plates. Ok, on va. Aïe, oh là là, ça a failli être la fin là, cette slow Rico. Oh, magnifique! Très bon air. Trade là, c'était parfait. Et là, on a un petit lead du côté de Sabreur. On va essayer de le concrétiser, mais Frizia va essayer absolument de le tuer. Side B up tilt. Tu peux avoir un kill là? Ouais, tu peux l'avoir. Hein. La stock pour cette première game, c'était un fantôme ça. C'est envoyé nulle part. Ah, le crochet de sel grab. Upper. On essaie de l'empêcher de retomber. Le nerf qui n'est pas de cet avis. Parce qu'avec quand tu joues contre Marf,
un perso un peu flotty comme Pikachu, t'es ok d'avoir un déficit de pourcent jusqu'à que tu arrives au pourcent genre 80, tu vois. Genre là, Pikachu, qu'il soit à 0 ou 60, dans tous les cas, il veut trouver toujours la même chose, quoi. Il veut trouver le hit into ledge guard. Ça ne change pas, donc t'as un peu de leeway, je sais pas comment dire en français, un peu de marge avant de te sortir en faiblesse. Et là, on est un peu dans la zone faiblesse, quoi. Ok, on arrive à remonter des deux côtés. Oh, le grab, est-ce que ça concrétisera ce non. Ledge dash raté. Ah, Sabreur, c'est un OG de Brest. Ouh. La Bretagne. Mais je pensais qu'il était parisien. Maintenant, il vit à Paris. Oui, maintenant, il vit à Paris, ouais. Je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai beaucoup joué avec Sabreur sur, sur P+. Oui, il joue Ike sur P+. Ouais. Qui est-ce que Joe Biden joue sur P+? Joe Biden sur P+? Roi d'Adidou. Non. Pas le coup. Eh oui. Je pense qu'il joue un perso un peu fatigué, genre Olimar. Eh, hey, respect. Moi aussi je joue Olimar, moi. T'es en train de me traiter de Joe Biden, là? De Joseph Robinette Biden? Mec, c'est pas ma faute. Ah, ça arrive, hein. Non, c'est en méga déficit là pour ce début, le kill va être trouvé. Ok, ça a raté la petite dash là. Ouais, et Frédiac utilise très bien ses crouch cancel. Oh. Oh, le up smash. Le kill trouvé, ouais. Et là, ça va être le jeu du coup pour savoir là, pour s'adapter face à des crouch cancel. Le but en fait, ça va être de trouver les down smash de Pikachu. Qui sont en fait un bon counterplay face au crouch cancel. Qui en fait, a un truc face auquel Pikachu normalement a beaucoup de mal. Ouais. Après le dance slash, s'il se rate, il se fait méga punish. Hein, beaucoup c'est de lag. Ouais, c'est le problème. Et qu'en plus, c'est difficile. Oh. Il est difficile à toucher des fois le. Je pense que c'est plutôt grab. Oui, ou sinon grab. Mais les deux sont des options qu'il va devoir chercher. Ou des cross-up, hein, si tu fais un cross-up contre Marf, en vrai, il faut beaucoup de choses de la part de d'un Marf pour. Le grab de Pikachu était un tout petit peu trop loin, mais Marf le grab. Ok, non, est-ce qu'on fait. Non, on se fait pas edgeguard. C'est bon, la Rico de Pikachu est assez bonne pour pas se faire edgeguard. Oh, parfait ça. Parfait ce nerf là. Le nerf était nickel. Vraiment, c'est une bonne adaptation sur les Rico de Frieza qui sont souvent hautes pour essayer d'aller sur la side platform. C'était très très beau. Très, très ah beau, oui. Ouais. C'était un peu en retard ça, ce Smash, c'était marrant. Il a failli passer. En mode, attends, il n'y a pas eu de F-Smash après cette intro? Ah si, il est là. Oh. Oh, très bien joué. Ouais, I guess très bien joué, ouais. C'était un peu piffé. Un peu piffé de ouf, hein, mais bien joué. Elle n'avait pas de raison de pas piffer. Non, non, totalement. Hein. Donc au final, Non, il n'y a pas de raison que tu meurs là. Vraiment, t'as trois récos différentes possibles. Ça serait vraiment pas de chance si tu meurs à 30% contre Marf Damage Guard. Mais Frisia qui joue très bien en fait avec le Down Tilt de Marf, le Crouch Cancel et le F-Smash. Ouais. Ah, mais ouais, voilà. C'est bon, il s'est adapté, il a récupéré ses bonnes habitudes de Rico. T'as beaucoup de Rico possible en fait avec Pikachu. Rien que les diagonales, les triangles rectangles, théorème de Pythagore, tout ça. Oh là là, oh. Magnifique. Ce 8 nerfs à la fin là. Bon nerf. Très très beau. Et là pour savoir, le but c'est de gratter un maximum de pourcents avant de mourir. Déjà si tu peux prendre les. Mettre des quelques pourcents à Marf avant. Oh magnifique! Les angles de Rico sont très bons du côté de Sabreur, il se foire vraiment pas là-dedans. Ouais, il est impeccable. Ouais. Oh! Turner, ouais. Oh là on se rapproche des kills pourcents pour Pika. Ouais, oh là là. Ça va être... Et là s'il trouve l'edge guard. Magnifique! Vraiment, il. D'une game très sentait que Frieza n'allait pas faire leur lieu B là. D'une game très serrée, il a réussi à remonter, à dominer, puis à finir sur un two stock. Ouais, c'était son counter pick, ça a bien joué. Là, on va partir par contre sur EFD. Peu surprenant. Ouais, j'avoue que. Je savais pas quoi dire en termes de counter pick sur ce terrain. En général, les Mars veulent toujours partir sur FD ou à Pokémon Stadium. Je pense que Sabreur a dû ban Pokémon Stadium. Ouais. J'imagine. Ouais, je ne sais pas ce qu'il a ban.
Et parce qu'en vrai, les Mars veulent toujours pouvoir avoir l'avantage de juggle. Mais sur cette map, je sais pas si ça peut. Je me dis que Pikachu aussi est très bon pour juggle, surtout contre Mars. Et que ça peut potentiellement se retourner contre lui, donc à voir comment ça finit. Ouais, moi, quand je pense à Pikachu sur FD, j'ai juste des images de Axe qui gagne un summit. Bon, c'était pas contre Mars, c'était contre Wizrobe. Oui, là, c'était son counter pick parce qu'il avait un Tengrabah. Oui. Ouais, bien sûr. Mais là, les Ricos sont beaucoup plus durs, en vrai, pour Mars, je trouve. Sans la side plate, t'es obligé de tomber sur le sol, en fait. Ouais. Oui, ça, c'est soit le sol, soit le ledge, et... Oh non. Le drifting après le neutral Vela, c'est pas fait grave. Il est quand même en retard là sur les stocks. Ok, très bien joué. Ouais. La Gate of Attack. Un peu trop tôt. J'ai l'impression que Frisia a un peu peu le même timing sur les Rico, c'est toujours du un peu delayed. Oui. Mais là le plumage de Savoir était très bien joué pour Ride de l'aériole. Un petit attaque électacle. Électacle. Là. Ça tue peur, ça. Quoi? Ça, c'est. Oh là là. Il a touché un bout de la queue, le Mars, et. Let's go, hein. Et boum. Ouais, je sais qu'est-ce que tu tues peur, là. Il tape un, hein. Oh, première fois de ma vie que je vois un grab incroyable qui n'est pas passé de Mars, alors que genre. Dans toutes les vidéos qui montrent la portée de grab de Marf, ça aurait passé quoi. Oh là là, attention. Oh, où est-ce que tu vas? Oh, c'était terrible ça. Là, elle est en feu. Ok, non, on trouve pas le punish. Ok, est-ce qu'on va réussir à. Oh, alors là. C'est vraiment pas passé loin. C'est celui de tout à l'heure. Oh, ah, le mislead. Il a déjà utilisé son F-Smash tipper de la game. Ce serait marrant si Marf avait le droit qu'à un seul tipper par game. Ce serait horrible. Ce serait très bizarre, tu sais, des petits équilibres, des trucs comme ça, genre en doudou, elle n'aura qu'un seul reste. Un seul reste. Et si elle avait le droit qu'à un seul wobbling. Pikachu a le droit qu'à un seul upper gip. Le pire, c'est que le coup du un seul wobbling, certains seraient prêts à le défendre. Il a fait Down Smash là, hein, pour contrer le prochain set. Oui, il a fait le Down Smash et ça a permis d'après de trouver un upper. Ah, je dirais que mon co-commentateur, il est là, il a une présence d'esprit. Il dit pas de bêtises, let's go. Let's go commentary. Et oui, on est trop fort. Oh. En parlant d'être trop fort. Oh. Qui va être trop fort là? Oh là là. Oh là là, mais ses nerfs sont parfaits. Ouais. C'était magnifique. Oh, le crush cancel était nickel. Oh, l'attente, c'était beau, mais il a raté un jump cancel quelque chose là pour ça faire. Oh, mais là il est. C'est un grab ça. Mais il est dans sa tête. C'est Rinpeat ça, oui. Parfait. La stock. Et le comeback qu'il a fait là, il était vraiment dans sa tête, il avait toutes les trajectoires de drift. Oh, c'est parfait, il a mis les pourcents qui sont les plus durs à mettre là. Il savait avant elle ce qu'elle allait faire. Ah non, on se fait counter. Oh. Ok. Et Sabar qui. Oh, c'est trop chaud. Ok, la Gate of Attack. Attention. Père qui ne voit pas derrière. Ok, on counter hit avec le nerf. Non. Oh mon dieu, c'est trop chaud. Oh, ok, ça fait grave. Attention. Ah. C'est fini là? Non. Oh mon dieu. C'est pas fini. Ouais, il y avait une ride sur l'attaque à faire. Oh, ça devient spaghetti là. Il passe à sabreur. Attention, Marf, ça ne tue pas. Ça ne tue pas, c'est pas un tipper. Non. Oh. Et là, ça tue. Magnifique. Si serré, très beau match. Ah ouais, c'était super serré. Ça tire dans la. C'est bon. Ah oui, ça tire pour nous. Enfin, ça tire pour.